Au Congo, en RDC, République démocratique du Congo, j'ai réalisé des choses qui m'ont vraiment fait mal au cœur. La plupart des bâtiments que j'ai vus, où il y avait un supermarché propre, c'est-à-dire un supermarché avec les normes conformes, un supermarché adéquat, n'appartenait pas aux Congolais. La plupart appartenaient aux Libanais, si pas les Pakistanais ou les Indiens. Et vous verrez la majorité des gens qui travaillent, hein, qui sont en train de balayer, en train de nettoyer, en train d'essuyer, sont tous congolais. Mais au management, c'est des Libanais. C'est exclusif. Et vous remarquerez aussi qu'à la caisse, il y a peut-être une Congolaise en train de donner, échanger de l'argent. Mais derrière elle, il y a toujours un Indien, ou un Libanais, ou un Pakistanais en train de vérifier ce qu'il est en train de faire. Ça fait mal de voir une population se battre chaque jour, pendant que tout ce qu'il y a de bien appartient aux Libanais. Les boîtes de nuit, les restaurants classe, tout ça, ça appartient aux Libanais. Maintenant, il y a une nouvelle vague. Il y a les Chinois qui arrivent aussi, les Chinois qui sont là. Pendant que le Congolais se bat en spiritualité contre les démons de son village, contre les esprits qui ont été envoyés par sa tante pour détruire son avenir, le Chinois prie Bouddha pour que Bouddha lui donne l'opportunité de venir au Congo et s'enrichir. Pendant que le Congolais crie espérant aller à Dubaï, aller à New York ou en France, pour y trouver une vie meilleure, le Chinois prie Bouddha pour venir au Congo et s'enrichir dans les mines, dans les diamants, dans tout ce que ce pays a à offrir. À Kinshasa, en fait, il y a deux Kinshasa. Il y a Kinshasa et République de la Gombe. Gombe, c'est la ville. D'accord? Donc, la ville et Kinshasa. La ville où il y a des bureaux et Kinshasa. Et ceux qui vivent dans Kinshasa ne sont pas nécessairement considérés ou respectés autant que ceux qui vivent dans la République de la Gombe, qui est la ville. Maintenant, la République de la Gombe, qui est la ville, a presque entièrement été vendue aux Libanais. Parce qu'ils possèdent tout ce qu'il y a comme building, tout ce qu'il y a comme construction, de masse construction, emphatique, appartient aux Libanais. Je me demande un jour s'ils disaient, bon, ok, désormais, nous, on veut plus de vous, les Noirs, restez là-bas, on va couper cette partie, ça va devenir le Liban. Vous faites quoi? Nous sommes ici dans un pays où tout est importé. Papier hygiénique importé. Allumettes importées, pas de dentifrice importé, tout est importé par les Libanais ou les Chinois. Le Chinois prie Bouddha pour qu'il quitte la Chine et qu'il vienne au Congo, achète des terres à Kinshasa, des terres où il travaille le sable. Je ne sais pas comment vous appelez ça techniquement. Le sable qu'on vend aux Congolais pour aller construire leur maison. Donc le Chinois quitte la Chine, il vient au Congo, achète vos terres à moins cher, travaille le sable, et vous revend le sable pour vos propres constructions. Il quitte chez lui, il vient dans tes terres, il travaille tes terres, il te les vend. Et tu achètes. Et il devient millionnaire. Pendant que toi, tu pries encore demandant la bénédiction, bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris de la vie? Il ne suffit pas de prier, mes frères. La prière seule est insuffisante. Rome n'a pas été construit à travers la prière. L'avion que vous prenez n'a pas été fabriqué à travers la prière. Le téléphone ou l'ordinateur ou la télévision à travers laquelle vous me regardez aujourd'hui n'ont pas été fabriqués à travers la prière. On ne peut pas avoir une société où les gens prient, 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 ne font que prier, 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 ne fournissent aucun effort pour changer, pour s'organiser, pour étudier, pour s'entraider, pour évoluer en communauté. Avez-vous déjà vu les Chinois aller acheter chez des gens ailleurs s'il y a un Chinois qui produit le produit qu'il cherche? Avez-vous déjà vu un juif aller acheter ailleurs du pain, du sel, des aliments, des habits chez une autre personne s'il y a un juif qui envoie? Il n'y a que les Noirs qui font ce genre d'histoire. Il faut se réveiller à un moment donné. Vous avez les terres, vous avez les plantes, vous avez tout ce qui est fertile, vous avez les sables. On vous fabrique les sables pour vos propres constructions. On a déjà été bénis. Vous êtes déjà bénis. Mais vous n'êtes pas intelligent parce que vous ne vous aimez pas. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas d'amour, il y a la comparaison, la compétition en tout et pour tout. Même dans les églises, la compétition sur qui prie mieux Dieu, qui est plus béni, qui a plus d'onction. Au lieu de travailler en communauté pour élever la société, pour prêcher les politiciens et leur dire droit dans les yeux que vous êtes des voleurs, il faut arrêter de paupériser le peuple dans une condition où le peuple souffre pendant qu'un petit groupe de personnes profite et s'empare de tout ce qu'il y a. On est là, priant, espérant une bénédiction venant du ciel. Oh Seigneur, bénis-moi. Pendant 20 ans, vous priez contre les mêmes démons. Mais en attendant la méchanceté, la jalousie, la haine, personne ne vous interdit de prier. Mais la prière seule ne suffit pas. Même la Bible dit, après le septième jour, Dieu prie un repos. Ou quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé.
Vous ne trouvez pas ça anormal? Vous avez tout ce qu'il faut, mais on fabrique tout pour vous. Tout. On fait tout pour vous comme des enfants. Ça ne vous étonne pas qu'on vit dans une société où aujourd'hui, on est obligé d'attendre à ce que l'aide vienne d'ailleurs dans cette situation qu'on vit. Ça vous étonne? Nous sommes comme des enfants, sans identité, sans direction. Il faut attendre que machin, truc, quelque part là-bas, fabrique un truc, vous savez de quoi je parle, pour que vous soyez tous machin, comme des animaux. Bonjour, ton yon ma fort, du soir, on peut vous lire, t'as qu'à serrer les guimacas. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oui, la Bible a dit qu'il faut prier sans cesse, mais la Bible a aussi dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir, sans nécessairement réfléchir dans la spiritualité. Tout n'est pas spirituel, les amis. Pourquoi vous ne priez pas pour faire vos enfants? Il faut passer à l'acte, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne priez pas pour que vous soyez rassasiés? Il faut passer à l'acte. Quand vous puez de la bouche, pourquoi vous ne priez pas pour que la puanteur parle? Il faut brosser sa bouche. L'homme a une responsabilité physique à sa vie et son avenir. L'objectif de la vie, ce n'est pas de prier pour aller au paradis. Ce n'est pas pour ça que nous existons. Ne serait pas-il fou d'un Dieu créer un homme pour qu'il vive pendant un temps et mourir, aller au paradis? Pourquoi il n'a pas laissé les gens au paradis? Pourquoi il n'a pas carrément laissé les gens là où ils étaient dans l'inconscience? Il t'emmène ici, bon, tu souffres et tu souffres pour aller au paradis. C'est ça la récompense. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'objectif de l'humain, c'est venir souffrir sur terre pour finalement voir s'il mérite d'aller au paradis ou pas? Même un gars de l'élémentaire ne pourrait pas faire un concept aussi stupide. Vous êtes sur terre pour des objectifs bien précis, pour laisser votre marque dans l'histoire. Regardez, si vous aviez votre maison, permettriez-vous à un étranger de venir s'établir, prendre une chambre, changer la couleur et vous dire où vous pouvez entrer ou pas? Vous le ferez pas, n'est-ce pas? Mais nous sommes les mêmes à autoriser ces mêmes histoires venant des étrangers. Je n'ai rien contre les Chinois et les Libanais. Mais j'ai tout contre cette mentalité africaine d'abandonner ou de délaisser leurs propres responsabilités entre les mains d'autres personnes. Pourquoi ne sommes-nous que consommateurs? Un Congolais ne peut pas fabriquer les shawarma ou les shawarma pour que les Congolais le soutiennent. Il faudrait que ça vienne d'un Libanais pour que ça ait de l'ampleur et de la considération, le respect. Pour un Congolais, vous voudriez un prix plus bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on voudrait un prix plus bas parce que tu n'es pas arabe? Un pays, ce n'est pas seulement avoir un gouvernement, un groupe de personnes qui se pensent intouchables, qui partent à contre-cours, à contre-vent, dans les rues de Kinshasa, violant ainsi les propres lois qui ont été établies par la structure. Avoir un pays, c'est-à-dire avoir des familles qui s'aiment, avoir des clans qui se rapprochent, avoir des tribus qui s'acceptent, avoir une nation qui va vers une même direction, une direction de croissance. Le problème, ce n'est pas la bénédiction. On a déjà été béni. L'or se trouve ici, le diamant, le casque, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le monde qu'ils ont là-bas se trouve ici. Nous sommes nés au-dessus de ça. Il faut être intelligent, c'est ça le problème. L'Afrique est bénie. Personne n'est plus béni que nous. Mais ils sont clairement plus avancés que nous dans la tête. Plus avancés, plus situés, plus stables. L'égoïsme, l'amour démesuré de l'argent, la jalousie, la mauvaise foi vis-à-vis de son frère. C'est ça qui nous tue. Nous sommes prêts à soutenir les autres. Quand ils sont différents, on les soutient. On va dans leur business tous les jours, chaque jour. On donne de l'argent. Mais quand c'est un frère, quand c'est un de nos proches, ça fait mal. Ah, lui, il pense qu'il est mieux que tout le monde. Ah, lui, d'ailleurs, il salue jamais les gens. Sommes-nous dignes de ces personnes qui sont mortes pour notre liberté? Il faut se poser la question. Si c'est Dieu qui bénit, il bénit aussi les méchants qui travaillent. Il bénit aussi ceux qui ne prient pas parce qu'ils sont intelligents. Vous êtes déjà béni. Développez votre intelligence et votre attitude. Chaque chose a son temps. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut développer sa communauté. Les communautés des autres sont bien. On apprécie la Scandinavie parce qu'ils sont bien organisés. On apprécie leur système social dont on va profiter et abuser. Mais on peut créer ça chez nous. Pourquoi on ne le fait pas? Et quand on nous rejette là-bas, on crie au racisme. Nini yango esalabiso to sala nini to sala nini ata pasteur wana ya Camerounais wana aya akata prière na Paris kuna soki na mboka nini ba kongole bazo sambola prions pour que Dieu nous bénisse akati prière gange arrêtez bino ami vous ba kongole bazo ba malhonnête bo senga nzamba bénir bino bino ba kongole bo senga nzamba bénir bino bo ali boma bon ba Niger barlo ba nini. Bamboko ezana désert na désert. Baolo bani.
bino bosa na nyonso bi bosa na nzamba bénir bino vous avez aventuré à kata prière pasteur à Cameroun à kata prière au nom que Dieu nous bénisse. Dieu vous a déjà béni, mettez-vous ensemble, travaillez, arrêtez de quereller pour savoir vous, nous on discute encore sur les, la couleur des grains de maïs chancelier premier hein. Maïs c'est la couleur d'une autre, c'est jaune, c'est talango bien, c'est la pembe. Nous passons le temps à discuter sur le sexe des anges. T'as là-bas ventre, t'as là-bas saut des moutons, t'as là-bas pont. Les amis, ça, tu es. Mon coin, on va nous sommes au talibi, on va nous sommes au caméra dans les singaï, nous sommes au soyeux. Donc, biso pour aucun aéroport, pont, mon coin, bango pour nos quatre, d'un quartier à un autre, trois ponts. T'as là-bas brise, babis, basali. Donc, n'a qu'à maï. Donc, t'as travaillé ma angili, t'as créé babato et mimarabatu. Et qui est dans mon petit ville. Pour train, il faut un président. Monsieur le président, na suis ki train de faire ma sina à 5h du matin pour nous faire Côte d'Ivoire na tongo. Mais population, train, il faut un peu. Tala babis. Ba aquabus. Et tu as un peu de maï. Tu as un peu de maï. Donc, tu as un peu de maï. 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 Ba sali ba arrêt, ba aménager ba arrêt. Bonjour mon ami, nous avons des gens qui sont là. 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 Alors, nous avons vraiment des partis politiques. Nous avons envoyé des gens en stage ici. Visa, nous avons 70 dollars. Visa, 70 dollars. 70 dollars aux yeux, visa au Yao. Nous avons visa au Yao au Tambo. Nous avons des bandits, nous avons 15 dollars. Nous avons des gens qui sont là. Nous avons contrôlé. Zambassal sa Congo na biso to keneli boso na pesi na ba staff na ngambo te ba na front national, c'est ça notre objectif, vouloir avoir un pays pareil. Na bi ke na sa na vidéo e belé tant na ke na sini boko mona ki nkole na ba ma luku na bango te to ba tintin botane l'état oh l'état m'ta aménager ba pesa ngwa indien te libanais te biso kuna nous vendons tout à des étrangers. Et attention, je vais vous dire une chose, na village ya numa bo place papa mba kufa wana. Na sole on a yo chikito mushashi non arrive en kono. Bate kaka mabelete, même si vous comprenez. Bate kaka mabelete. Biso yo kao o somino mabele na kinkolo somino mabele. Oh somino mabele nansele. Bate kaka mabelete. Ba louwa kaka mabele. Oko louwe no 100 ans, sali mama na immeuble. Parce que mabele za ya ba progéniture na bango. Et ça, il dit à ma bête, à madame. Ah, bah, t'es kaka ma belle été. Oh, ma somba, n'a na 10 hectares na kinkole. T'es, na loua ka 10 hectares na kinkole. Les chefs coutumiers ici ne vendent pas la terre. N'a comme malili, nous autres malili, brrr. On ne vend pas la terre ici. On la loue. Les chefs coutumiers, motif, yokam, et si nous vendons aujourd'hui, et nos enfants dans 50 ans, dans 30 ans, ils n'auront plus de terre. Na tikala. Il y a un télément, un repos, un yoy. Un télément, le colombo, il y a un moukousse. Il y a un télément, un télément, il y a un ndenge. Tolinga Congo. Tolinga Congo. Bon, Je ne sais pas si tu es un homme.